Hello tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog, Vlogmas jour 1. Pour moi, on est la veille dans le fond du 1er décembre, on est mercredi. Une journée full grise et pluvieuse, c'est vraiment poche, mais en tout cas, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis en télétravail, j'avais un petit rendez-vous à 8h, proche de chez moi. Puis ça a bien été, ça a été super rapide. Le temps qu'elle est sortie, je me suis dit aller acheter de la bouffe à Maggie parce qu'elle n'en a plus. Fait que c'est ça que je fais en ce moment. Je vais revenir à la maison, je vais vous montrer un beau petit colis super festif que j'ai reçu hier. J'avais commencé à faire le Vlogmas hier. Je me suis rendu compte que de un, j'étais vraiment pas dedans, je filais pas de temps. Puis je travaillais du bureau, fait que j'avais comme vraiment pas beaucoup de contenu à partager, fait que je me suis juste dit je vais recommencer aujourd'hui à nouveau, puis ça va juste être ça, fait que voilà, on est là. Il me semble que j'avais des choses à vous dire, mais on dirait que là je me rappelle plus. C'est tout le temps ça qui arrive. Mais c'est ça, je m'en vais au Mondou, qui est aussi pas loin de chez moi. Après ça, je retourne à la maison. Voilà, fait que merci d'être là. Je sais qu'il y a beaucoup de vlogs durant ce temps-ci de l'année, fait que si vous prenez le temps d'écouter mes vidéos, je vous dis un gros merci. Je viens d'aller au Mondou, puis il y avait une petite section en rentrant, genre de trucs de Noël pour animaux, là, pour chien et chat. C'est tellement cute, j'ai pas pu m'empêcher de prendre quelque chose pour Maggie. Fait que c'est des genre de petites brosses à dents là, pour chien. C'est pas mal tout le temps ceux-là que j'achète de la marque Whimsy. Mais là, c'est ça, c'est une édition de Noël. D'un, l'emballage est tellement cute. Puis mes petites brosses à dents, au lieu d'être en forme de brosses à dents comme avant, c'est en forme de sapin et tout. Fait que je trouve ça trop cute. Fait que ça va faire une petite gâterie festive pour Maggie aussi. J'aimerais bien ça la gâter avec des petits toutous pis tout, mais c'est pas un chien qui aime les toutous à les démolir en genre 2 secondes. Même chose pour les os, genre tu les trucs à gruger pis tout, elle vient folle. Fait que on fait juste lui donner des petites gâteries comme ça, mais sinon elle les aime pas, elle veut juste les détruire. Fait que je retourne à la maison. Je suis vraiment full motivée par le Vlogmas. Là. Je sais que j'ai changé d'idée au moins 5 fois depuis un petit bout, mais pour vrai, ça me tente vraiment de le faire. Puis je suis quand même motivée de le faire. C'est comme un défi. Puis que je suis capable de le faire. C'est juste qu'il faut que je fasse ça plus court. Fait que ça devrait pas être au pire pour le montage si je fais des petits vlogs à chaque jour. Mais en tout cas, je garantis pas que je vais en faire un par jour, mais je vais essayer. Puis aussi je pensais à ça, mais ça fait même pas 6 mois que j'ai ma chaîne YouTube. J'ai commencé en juillet, je pense, puis je faisais des vlogs en anglais. Puis là, je pense depuis octobre ou novembre que je fais des vlogs en français. Fait que, tu sais, j'ai pas encore trouvé mon vibe ou je sais pas comment dire, mais encore en train d'expérimenter avec YouTube. Fait que voilà. Je sais pas où je m'en vais avec ça, mais en tout cas, je vous reparle rendu à la maison. C'est quoi ça, Maggie? Salut! Tu veux faire du yoga? En fais-tu du yoga? Pout pout! C'est moi! Merci! Voici mon beau colis festif que je vous parlais tantôt. Fait que ça vient de chez La Vie en Rose. Fait que c'est des pyjamas de la collection d'hiver. Fait que je vais mettre ça sur mon lit puis je vais vous montrer ça. On pourrait faire aussi un petit try-on haul après. Non mais sérieux, c'est-tu pas assez cute? Je capote sur les choix que j'ai faits, les couleurs et tout. Je trouve que c'est tellement parfait pour le temps des fêtes. Puis en même temps, ça fait pas trop Noël non plus. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais j'avais un pyjama justement de La Vie en Rose l'année passée. Dans ce genre-là, là, qui vient en ensemble comme ça, mais c'est avec un imprimé rouge, mais vraiment plus Noël. Puis aussi, je sais pas si vous avez remarqué, probablement, mais mes pyjamas que j'ai ici, on dirait que j'ai toujours le même sur le dos, mais non, je vous dis, c'est pas toujours le même, mais ils sont juste noirs, les pyjamas que j'ai justement de La Vie en Rose aussi. Fait que là, j'ai fait des choix un peu plus différents que d'habitude. Fait que je vous montre ça plus en détail. Ici, on a un haut à manches longues, un genre de tricot gaufré vraiment doux avec le pantalon. La jambe est quand même ajustée. Il y avait aussi d'autres couleurs, là. Il y avait un bleu marin, je pense qu'il y avait un petit rose, puis un gris. C'était vraiment dur de faire des choix. Là. Après ça, comme je vous dis, là, les petits ensembles comme ça, qui sont super doux. Cette année, j'ai pris celui à corps au rouge, mais encore là, il y a plein d'autres choix. Je trouve ça, c'est le fun, ces modèles-là qui sont roulés, parce que ça fait un beau cadeau super facile à offrir. J'en offre toujours à ma famille là, des pyjamas La Vie en Rose durant le temps des fêtes. Cette veste-là, c'est mon item préféré, je pense, pour vrai. J'aime tellement ça, les vestes en genre de polar de même.
Puis là, c'est dans un carreau super style bûcheron. Puis là, cet hiver, les parents de mon chum, ils ont loué un chalet. Fait que ça va être parfait pour le chalet. Je le trouve trop cute. Puis justement, ce qui m'a convaincue, c'est que sur le site, on voyait ce kit-là ensemble avec les bas. Puis je trouvais ça tellement cute. Fait que j'ai hâte de faire ce petit kit-là. Ça, c'est des bas aussi en micro-polaire avec des petits antidérapants en dessous. Puis ils sont full, full chauds. Fait que ça, c'est super. Pas besoin de mettre de pantoufles avec ça. Ça va être assez chaud, merci. Après ça, on a un petit kit plus lounge, un legging blanc en chenille. Encore une fois, ça c'était dispo, je pense, en d'autres couleurs, je me souviens plus. Je pense en gris avec le beau long cardigan. Tellement cute avec des poches. Ouais, il y a des poches sur les côtés. La manche comme ça. Puis je trouvais ça cute justement pour travailler de la maison. Tu sais, sans être en robe de chambre, là, ça fait cosy puis ça fait quand même présentable. Au lieu d'être en robe de chambre, justement, que t'as l'air plus en pyjama, mais ça, c'est comme plus un entre-deux, je trouve. Parce que moi, j'aime ça être en lounge, j'aime ça être confo quand je travaille à la maison, fait que ça va être un beau petit kit. Il y avait aussi un chandail, je pense, à manches longues, puis un petit top, genre camis crop, qui allait avec ça. Je l'ai pas pris parce que je trouvais que ça, ça allait bien s'agencer avec, justement, le chandail rouge ou d'autres chandails que j'ai chez nous. Puis honnêtement, moi, les camisoles, même l'été, je mets pas vraiment ça. J'ai quand même souvent froid, fait que... Je me suis dit, ça sert à rien de prendre la camisole, je la mettrai pas. Fait que j'ai pris le petit ensemble comme ça. Fait que je pense que je vais tout déballer puis vous montrer ça sur moi devant le miroir. Passant, je me sens vraiment essoufflée. De un, je viens de finir mon yoga. Puis de deux, j'ai pris un café. Je me sens pompée, bien raide. Ça l'a pas de mon sang pour vrai. Aidez-moi quelqu'un, faut que j'arrête de boire du café autant. Mais pas autant, j'en bois pas tant. Je prends comme une tasse par jour. Avant, ça me faisait pas ça. Je pense c'est le Nespresso pour vrai. Depuis que j'ai la cafetière Nespresso. Que je prends des cafés Nespresso, là, je suis hype tout le temps. Mon chum me regarde, il est comme, tabarnak, je te prends un café, toi. Avant, ça ne me faisait pas ça avec ma cafetière que mon père m'avait offert, je pense, l'année passée, qui est vraiment une bonne cafetière qu'on met nos propres grains. Puis, ce que j'aime avec celle-là, c'est que tu peux choisir ton intensité de café, puis moi, c'était tout le temps au plus bas. Fait que là, je vois tellement la différence avec les Nespresso, c'est caféiné, ça n'a pas de bon sens. Je me sens genre, ça allait pas dans l'eau. Je pense que c'était même pas une tasse que j'ai prise, c'était une demi-tasse. En tout cas, fait que si je semble essoufflée, c'est pour ces deux raisons-là. C'est les pyjamas lavés en rose, puis je vous montre ça sur moi. Aussi, c'est vrai, dernière chose que je voulais dire avant ça, c'est que c'est des produits reçus dans le fond, puis je vais faire une collaboration avec eux sur Instagram, sûrement sur TikTok aussi. Je vais faire une petite vidéo, je sais pas encore quelle thématique. On s'entend qu'avec des beaux pyjamas comme ça, ça va être facile de penser à une petite vidéo cute, là, sûrement quelque chose de full cozy, peut-être faire une petite recette de Noël en pyjama. En fin de semaine, justement, on va chez mon père avec ma belle-mère, puis mon chum, on va passer la fin de semaine là, puis ma belle-mère, elle est sur Instagram et TikTok aussi, elle fait des vidéos, elle aime vraiment ça. On va sûrement filmer des vidéos ensemble, peut-être que je pourrais apporter justement mes pyjamas pour faire une petite vidéo thématique Noël. En tout cas, je vais passer à ça, mais je voulais juste préciser que c'est des produits reçus. Puis aussi, j'ai d'avoir un flash, là, comme je vous dis, je suis très caféinée en ce moment. Mais dans le tour, je pense que je vous ai dit que je filais pas full hier. Puis encore aujourd'hui, je sais pas si je couvre quelque chose, mais je coule du nez. J'ai comme mal à la gorge un peu. Puis j'ai comme froid, genre frisson. En tout cas, j'espère que j'ai pas un... soit le virus ou un rhume. En tout cas, je vais voir là. Mais pour l'instant, je suis comme... On dirait entre... Là, qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là. Mais en tout cas, je prends ça relax, là, mais je voulais juste vous dire que c'était pour ça que je filais pas. J'ai juste dit ça vite de même dans le tour, mais c'était ça la raison pourquoi je filais pas. Ok, en tout cas, voilà, j'arrête de jaser. Je vous montre mes outfits la vie en rose. Trop cute! L'éclairage est pas top, là, parce qu'il pleut dehors, mais ça vous donne quand même une petite idée, là. C'est quand même fait grand. J'ai pris small. Premier pyjama trop cute, je vais essayer avec la veste à carreaux et les bas pour vous montrer là, ce que j'avais en tête, mais voilà, je trouve ça vraiment trop mignon. Et sérieusement, j'ai jamais vu une veste aussi confortable, c'est tellement doux, mais en même temps léger, genre c'est... Je capote, je vais tout le temps porter ça pour elle. Là, la couleur, ça ressort pas full bien vu que, comme je vous dis, il pleut, puis c'est vraiment un beau rouge pétant avec les bas. Encore une fois, la veste, c'est small, c'est quand même fait grand aussi. Tu sais, j'aurais pu prendre X-Small ou Medium si je voulais un look encore plus oversize. Les bas, c'est des one size. Puis, tu vois, j'ai quand même les pieds grands. Fait que c'est un petit peu serré, mais c'est vrai que j'ai mis mes autres bas en dessous. Fait que vrai, je les enlève, là. Mais voilà mon petit kit. Bref, là, je vais essayer les deux autres. Mais
J'aime trop la veste. Ça fait très chalet. Okay, l'autre kit, j'ai gardé justement le chandail rouge là, parce que je savais pas trop quoi mettre en dessous pour l'instant, mais c'est le long cardigan. Puis il est vraiment long, j'adore. Il y a des poches aussi, puis les manches sont un petit peu bouffantes. Je trouve ça trop cute. Avec les leggings, c'est tellement confortable. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais le pyjama que je mets quand même souvent, justement, qui est noir enchaîné de la vie en rose, il est pas en legging comme ça, la jambe est comme droite. Puis pour vrai, je préfère vraiment le legging comme ça. De un, c'est plus doux. Tu sais, le tissu direct sur la peau. Puis je sais pas, j'aime mieux ça. Je vais, à l'avenir, je vais toujours acheter des leggings enchaînés. J'adore! Je vais juste essayer de trouver un petit chandail, peut-être un peu plus dans les tons genre beige pour être vraiment un style full neutre. Ça pourrait être cute parce que là j'ai l'air genre de Mère Noël en rouge et blanc de même. Fait que là, il reste juste un... Ouais, il reste juste le pyjama à carreaux rouge à essayer. Fait que je vous montre ça. Dernier pyjama full Noël, le petit rouge à carreaux. J'ai pris encore une fois small, c'est quand même extensible, c'est full confort. Léger aussi, c'est pas trop chaud. Puis je vais pouvoir le mixer, je trouve, avec justement l'autre pyjama que j'avais rouge. C'est juste que les textures vont être différentes, mais ça va être cute pareil, mais en tout cas. Ok, voilà mon petit haul, la vie en rose. Vous me direz c'est quoi votre préféré. Moi, c'est vraiment le premier avec la veste. C'est tellement confort, là, je capote. Donc là, je vais ranger tout ça, puis je vais aller me faire à dîner parce que j'ai vraiment faim. J'ai un restant de Pokéball, fait que je pourrais vous montrer ce que je l'ai déjà montré dans un autre vlog. Mais en tout cas, je vais manger ça comme restant pour dîner. J'allais tout ranger aussi mes pyjamas, puis continuer la journée de travail. Après moi, je pense que je vais fermer le vlog après parce que ça va être quand même un premier long vlogmas. Comme je vous dis, j'ai de la misère à couper ça, puis à faire ça genre autour de 10-15 minutes. C'est souvent très long, mais en tout cas, je vais pouvoir faire le montage puis l'uploader ce soir. Fait que voilà! Fait que voici mon petit lunch. Comme je vous disais, c'est un restant de Pokéball. Fait que dans le fond, il me restait juste du riz brun cuit puis mon tofu mariné que je fais pour ma recette de Pokéball. Fait que j'ai rajouté des concombres. Puis habituellement, on met des carottes râpées, on met des edamame, on met des oignons verts. Mais là, on a tout terminé ça hier. Fait que j'ai juste mis des concombres. J'avais des épinards. Fait que je me suis dit, je pourrais en rajouter là, tranché. Ma petite sauce que je fais toujours, c'est genre mayo épicé dans mayo vegan mélangé avec de la sriracha, c'est vraiment simple. Puis des graines de sésame, puis aussi des algues que je viens hacher. On les voit un petit peu ici, en tout cas. Fait que ça va être ça mon lunch. Si jamais vous n'avez pas regardé mes derniers vlogs, puis que vous avez manqué la recette, je vais mettre le lien en barre info. Je l'avais publié sur Instagram pour un petit bout. Mais c'est tellement bon, on se fait ça pour de vrai quasiment une fois par semaine, c'est trop trop bon. Puis le lendemain, tu sais, je mange ça froid, là, puis c'est autant bon que la veille quand le riz est chaud. Mais voilà mon petit lunch. Hello tout le monde! Je te parle pas à toi. Classique spot de moi qui fais du montage. Oh, pareil. Mais c'est ça, fait que je viens de faire le montage du premier vlogmas, puis je suis vraiment satisfaite, je suis vraiment contente puis fière de moi. On se croise les doigts pour que j'aie cette même rapidité de filmer, faire le montage, uploader. J'espère que ça va être comme ça pour les prochains jours. On est juste jour 1, fait que ça peut être plus périlleux dans les prochaines semaines avec le temps des fêtes qui approche. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de ce premier vlog. Vous me direz votre avis si vous l'avez aimé. J'ai commencé aussi à faire comme des petites intros genre au début du vlog, juste pour montrer c'est quoi qu'il y a dans le vlog genre. En tout cas, je sais qu'il y en a d'autres vlogueurs qui font comme plus des intros toujours les mêmes, mais moi je supprime toutes mes vidéos dans mon cell au fur et à mesure que j'upload, fait que je peux pas vraiment faire un intro comme ça, fait que je vais juste faire comme un montage, si on veut, un recap du vlog au début avec la petite musique, fait que vous me direz si vous aimez ça. Voilà, merci d'avoir écouté, puis on se voit demain pour Vlogmas jour 2. Bye tout le monde!